Et salut à toi YouTube, bienvenue dans cette vidéo COTD. Ah, il faut que je rebind Dell. Pourquoi j'ai pas Dell Du coup, COTD du 24 juin et j'ai débind Dell pour la le dernier truc que j'ai joué, mais je me souviens plus ce que j'ai joué. Ah oui, Deep, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, Dell, juste ici, abandonné, boum. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une prédit. Top 32. Alors, voyons voir la map. Oh, ouf. Ah oui, la tria... Oui, mais attends. Je sais plus ce que j'ai joué en dernier. Ah non, t'as raison, c'est Wampus, c'est pas Deep Deep. Tu as raison. J'ai une mauvaise nouvelle. Attendez, est-ce qu'on fait pas une COTD full speed là? Reverse. Ah, on peut pas trop s'arrêter devant, mais... Vous en pensez quoi? Allez voir, il joue Bolet? Ah mais il a sûrement déjà fini, non? Je vais voir. J'ai fini la map et je peux pas même pas la jouer du tout. Et faire celle d'hier parce que j'ai raté celle d'hier, je suis dégoûté. Ok, ok. Ah, il a déjà fini. Ok, ok. On se fait nous il une. Il va pas la jouer cette énorme merde. Il va pas la jouer du coup. On fait entre nous une reverse ou quoi? Yo Ben Rep. Moi j'ai pas vraiment envie de jouer ça, hein. Je vous avoue. Ah mais est-ce qu'il y a assez de gens pour jouer la reverse là? Il a fait un bon temps. Bah en fait s'il a fait moins d'une minute c'est déjà foutu je pense. Juste là sur Hollow Knight à quelle heure? Vers 23h. Ok, est-ce qu'il y a du monde qui ne joue pas la COTD et qui peut lancer TM pour faire un temps d'une minute? On vise une minute. Chaud pour une reverse. Bah allez, go. On fait ça alors. Là, je suis deg que Bolet est déjà fini. Mais ouais, les gars, jouez une bobsleigh là. Alors attention, hein. C'est plus chaud que prévu à s'arrêter, hein. Moi j'aime bien. Et bah amuse-toi bien. Moi il faudrait que je vois. Je pense que le mieux pour faire une minute là. Alors je vous explique le principe de la reverse. La reverse c'est viser un temps en 1-0-0-0-0. Et ensuite, on tombe tous dans la même div. Attends, c'est déjà là? Ah non, c'est pas encore. On tombe tous dans la même div. En round plus qu'en time attack. Ouais, bah, logique. On tombe tous dans la même div et le but, ça va être de faire dans le temps orange. Donc, pas éliminé, mais juste avant d'être éliminé. Et du coup, suivant combien on est, on peut s'amuser à faire ça. Bah 52.2 ça ira. 59.2 ça ira je crois. Bah là, je peux plus améliorer. Tu notes les points? Non, il faut que quelqu'un du chat note les points. Limite là? Bah pas sur une map comme ça. 42 secondes. Non, je trouve que c'est fine. Là je veux juste être dans la même div que tout le monde moi. Et vu que j'ai pas le truc des... Je peux noter s'il faut. Bah on va voir. Déjà il faudrait qu'on tombe tous dans la même div. Mais là je doute que... Bouge plus 59.2 t'es bien. Ouais non je touche plus. J'ai troll. Mais je crois que... Je sais pas.
En fait, il n'y a pas de finish plat et du coup, beaucoup de gens vont troll, je pense. 59.5, ouais, ça va. Et je crois qu'il y a un truc, attends. Ok, ok, 2400. Bon, j'ai skip le seeding à YouTube parce que bon, on a attendu pendant 10 minutes. Donc, je fais div 38 sur 39. Et du coup, on devrait être, en théorie, tous ensemble. Parce qu'on est... On est 5 ou 6 à avoir fait ça. 2403, 2404. 2412. J'espère juste pas qu'il y a le cut, mais ça m'étonnerait de fou quand même. Imaginez sa cut à 2406, genre. 2300. Ok. Mais du coup, tu vas smurf de zinzin, c'est le but. Non, non, alors je vais tout réexpliquer. Donc. On va pas jouer normalement. Là, c'est une river COTD. Donc le but, c'est de terminer dernier, mais pas éliminé. Vas-y, on compte combien on est là. On est 4. Ok, ouais, ça va, on est tous là. Je suis un meilleur div dans mon coin en div 5. GG. Bon, c'est une map PF, mais GG quand même. Ok. Vas-y, premier point. Le dernier du round 1, il prend un point déjà. Je suis div 37. Ah merde. Ah mais t'as troll avec un... Un 56, ouais c'est chaud 56. Allez, j'ai la chef. No me, na me. I'm out first. Ok, bon, ce qui va se passer, c'est que... On va avoir le finish timeout. Et il faut attendre devant le fin. Et genre, faut finir. Ça va être rapide, hein. La personne qui note les points, il faut qu'elle soit réactive, hein. Non, en vrai, on a le temps. Et petit 3-6 pour le beau jeu. Oh, le 720 qui est tenté. Ok, on compte pas les DNF, hein. En gros, on va tous se retrouver là. Et merci Calu pour le 26e mois. On va tous se retrouver là. Et là, c'est le premier... Celui qui arrive à terminer en dernier dans les 20 secondes, quoi. What the fuck? Why he in mine? Lol. We are playing... Non, je vais rien lui dire. Ok, c'est Benrep. Benrep qui prend le premier point. Mais je vais aller. Et maintenant, là, le but, c'est de faire 38e. Là, 39, je suis déjà pas mal, hein. Ouais, Eva fait le ranking, je crois. Je me demande si c'est mieux de rester derrière. Mais je pense que dans les premiers rounds, ça va être pareil, ça va se finir au countdown.
qui m'impressionne, c'est qu'ils arrivent à rouler comme ça en faisant exprès. En faisant pas exprès. Wouah, le nose stand de fou! Par contre, faut peut-être que je m'active un peu. Non, mais je vais paniquer. En fait, j'ai pas envie d'être out first round. Ah, oh, j'y vais, les gars. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Oh, Benrep! Attends. Mais ils sont out? Non, les gars, déjà qu'on est 6 à jouer, vous êtes out first round. Mais c'est pour ça, moi j'ai fait l'erreur dans les dernières COTD Reverse avec Bollet. C'est que souvent je gridais trop au start. Et en fait le problème c'est que t'es out et tu fais plus rien de ta cup après. Du coup je préfère vraiment safe les premiers rounds. Y'a que le dernier qui prend un point. Ouais c'est ça. Y'a que le mec pas out qui prend un point. Mais là y'a Alec, Zenlane et moi du coup. Je sais pas s'il y a un autre. Je me demande si Kamset c'est une strat. Let's go! C'est bugué, hein. Il a quitté. Hein. Il a fini, mais il a quitté. Ne me faites pas avoir. Hein. Ah non, attends. Mais non, mais Wildix, il est out. C'est bon. Risqué, ouais, j'ai un peu risque. Surtout que j'avais aucune info. Marius doit être hyper fort. Ok, ça va, j'ai pris un point. C'est bon, je suis content. Je vais essayer de sandbag. Je crois qu'ils font un peu pareil, hein, Alec et Zenlane. Hein. Oh, ils sont les deux pris de néon, je crois. Attendez, je fais comme eux, je fais comme eux. Attends, mais on est dans les derniers, là. Ok, en gros, faut en dépasser un. Il s'est pris l'autre néon. Non, c'est trop. Ok, là, je suis dans la zone. Non, là, je suis out, je crois. Oh, putain. Faut que je le dépasse. Ok. Heureusement que Zenlane s'est bouffé le néon. Je sais pas si c'était la vanne, mais... Bon bah, 1v1. 1v1 avec... Avec Zenlane, non? Putain, vous êtes sortis si vite, les gars.
Ah oui, avec Alec, pardon. Et j'aime bien la strat de rester derrière. Tu sais, t'es là, tu fais le chien de berger. Ah non, il n'y a pas de commande pour l'installation inverse. Mais j'en ferai une. Ok, lui il m'a dépassé, donc je dois en dépasser deux. Faut juste pas que ça commence à devenir les meilleurs joueurs du monde. Ah, il y a eu du respawn. Ah, j'ai peut-être abusé. Ok, j'en dépasse un. Ok, petit check ici. Ok, faut que j'en laisse passer deux. Ah, j'étais trop vite là. Replay. Je laisse passer. Ok. Oh! À 2 centièmes. J'ai fait 3 de suite là, non? Mais j'ai plus... Je joue avec plus personne là, non? Maintenant tu joues tout seul? Bah, en vrai, je peux continuer. Je peux continuer. Hein. Là, c'est plus un challenge qu'une compétition, du coup, mais... Ah, j'ai déjà win. J'ai déjà 3 points. Non, je vais pas chercher la win... Je vais pas chercher la win de la div, hein, ça se fait pas du tout. J'ai paniqué pour ma première reverse. Franchement, t'as tenu plus que tous les autres. Ok. Toja, il était dans les derniers. Je vais voir ici, petit checkpoint. Ah. Ok, 25. 24, il y a eu un respawn. Ok. Là, normalement, c'est bon. J'ai pop-off comme un fou devant mon écran pour mon point. J'étais en LAN. Let's go, les gars! J'étais à deux doigts de fist bump Neo là. Ok, un out. Ok, lui m'a dépassé. Aldric, si je dépasse un des deux, c'est les deux, je crois. Non, un des deux. Ok, lui c'est ciao. Donc là, je dois dépasser. Ah, le truc, c'est que les respawns, je les vois pas. Je dois en dépasser un, non? Lui, je le laisse passer, mais parce qu'il y a eu un respawn. Par contre, il avait de la vitesse. Ça va, il se vomit un peu dessus. Faut que je reste derrière Ripley. Ah non, faut que je laisse passer Ghost. En fait, c'est facile quand t'as pas de personne qui reste devant le finish. Parce que là, je peux calculer parce que j'ai un fluide constant, vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand il y a d'autres adversaires qui font la même chose que moi, bah ils parasitent les calculs.
Là, j'ai un joli troupeau. Il n'y a pas de risque qu'il s'arrête pour rien, quoi. En vrai, je sais pas, je joue jusqu'au top 5, et après je les laisse jouer ou un truc du genre. Et encore, je vais sûrement être out une fois. Donc là, je dois être avant-dernier. Ok, il n'y a pas de respawn pour l'instant. À part lui. Donc là, je suis 16e. Ok, il faut que je profite d'un respawn. Ok, replay. Je me mets en triplay, Enya. Non, il y a eu un respawn, le bâtard. Ok. Ouais, ça fait partie des trucs que je peux pas calculer, je pense. Peut-être j'aurais pu le voir, je sais pas, je m'en rends pas compte. Yann traite ses vieux de parasite en direct. Mais je vous jure que ce format-là, je préfère largement ce challenge à rouler divin du bobsleigh. Faire le robot pendant 30 rounds là. Non, 20 rounds, j'abuse. Attends, il a double respawn l'autre? Je pense qu'il a pas pris le checkpoint. Faudrait organiser une vraie cup avec ce concept. Bah en fait, on avait vu que plus on est, moins c'est fun. Hein. Et lui, je dois le laisser. Par contre, il rattrape, hein. Wow. Ah mais il a double respawn, du coup il avait 1000 de speed. Ok. Allez, je prie pour qu'il n'y ait pas de respawn en vrai. Ok, c'est bon. Faut que je regarde plus le classement ici. Une vraie queue, un peu comme le Patience Game. Ouais, Patience Game c'était fun. Le problème de Patience Game c'était que des fois il y avait les collisions. Et... les maps étaient pas super bien faites. T'avais des moments où tu pouvais tab et regarder les gens finir. Mais ouais, Patience Game, c'était dans ce délire-là, hein, très clairement. Les rounds vont durer 20 minutes. Bah, le problème, c'est que le premier ne termine pas, du coup. Si tout le monde joue, personne ne termine. Mais j'aime vraiment bien, ça me rappelle un peu la Chase Cup, en vrai. Ce truc où tu t'adaptes aux autres joueurs. Moi, je dis pas que je devais beaucoup release pour attendre Tunic Seinos. Hein. Un gros bâtard. Ok, space attaque, je suis devant. Lui, je dois pas le dépasser. Sauf si space attaque le dépasse. Donc à ce moment-là... je dépasse un joueur, je dois me mettre entre les deux. Non, replay à choke. Ok, j'y vais maintenant. Et c'était un peu plus brouillon la fin parce qu'il y avait du monde. Chained a déjà été fini à 4? Oui, très certainement. Ah, le jeu est sorti il y a quand même 5 jours, donc... Tu vas tellement rire à 4 sur Chained Together, je dis ça en connaissance de cause. Ouais, bah surtout avec... avec Bolley, Jaja, Eria, je connais pas assez son niveau de trolling, mais on va passer un très bon moment, je pense. Hein. Moi, vous me connaissez, je suis pas du genre un troll.
Et il y a Ripley et Nia qui sont bien loin derrière quand même. Je vais au cas où les Mais reviens vite le bâtard. Non les gars, il est devenu trop fort d'un coup. Il a double respawn. Hello. Question un peu con, mais c'est quoi une reverse? En vrai, j'ai dit à partir de top 8, j'arrête, non? Que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et merci beaucoup, la Smook, pour le 17ème mois. En fait, beat Yannick, ça, I'll take that. Du coup, le principe, c'était de finir le plus possible de fois en orange. Mais en vrai, tant mieux. À partir de top 8, c'est mieux que j'arrête parce que quand il n'y a plus qu'un joueur, en fait, ça va juste le tilter en mode « Ah putain, j'étais à une seconde d'être in ». Enfin, je pense que c'est un peu bâtard quand il n'y a qu'un joueur. Parce qu'il a plus le sentiment qu'il devait être in que le sentiment inverse. Je pense. En vrai, je suis pour replay, mais par contre, je vais pas laisser. Je fais l'outro YouTube maintenant. Bon, bah YouTube, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette reverse. Un peu plus solo, parce que tout le monde est out au début. Mais c'était quand même fun. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ça me change de mes habitudes de jouer comme ça. Donc, si une fois, si ce format te plaît, n'hésite pas à me dire. Et on réfléchira à refaire. Donc, map bobsleigh et full speed, généralement, j'essaye de changer un peu avec la reverse qui provient de base de chez Bollet. C'est chez Bollet que j'ai vu ça là pour la première fois. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Allez, sur ce, des bisous YouTube, pense à t'abonner, liker. Ciao, ciao!